Yo tout le monde, c'est Hendrix. On se retrouve pour une toute nouvelle série sur Ark Survival. Donc bon, je viens juste de commencer. Donc je viens de lancer la partie. Donc tout de suite, les gars, moi ça fait super plaisir déjà de vous lancer une petite série sur Ark. Par contre, je ne vois pas. Alors attendez déjà, je vais. Alors attendez, on va baisser le son audio de l'environnement. On va le baisser à là. Volume principal. On va le baisser à là. C'est mieux là. Voilà, là déjà les gars, c'est mieux. Par contre, je vois pas de dino. Donc, en tout cas, les gars, ça me fait super plaisir. De toute façon, si jamais la map elle est buggée, qu'il n'y a pas de dino, je relancerai sur une autre map. Parce que chaque fois que je lance Ragnarok, il y a presque aucun dino. Mais enfin, bref. Donc, les gars, si j'ai choisi ce spawn, alors le spawn, les gars, c'est Jungle 2. Pour spawner tout en haut. C'est un très bon spawn parce que ici il y a des caisses et je vais aller récupérer. Bah, attendez, juste me crafter une pioche. Enfin, manger de quoi me crafter une pioche. Ouais, par contre, j'ai boosté beaucoup les stats. Hein. J'ai pas mal boosté les stats. Je vais augmenter la résistance pour plus tard et compétences artisanales. Ouais, bon, j'ai vraiment peut-être un peu trop même boosté les stats. Mais je les ai baissés parce que mon pote a d'habitude, il me demande de les booster un peu plus. Donc, on va se faire déjà la fondation chaume. Cadre de porte, mur, caisse de stockage, ça, et bah je pense qu'on est pas mal pour l'instant. De toute façon là je récupère des trucs donc bon ça va être mieux. En tout cas, les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça me ferait mais genre extrêmement plaisir. Donc alors, on commence. Faisons pierre. Ah! Ah oui, bon, on regardera. Les gars, je tape juste, je regarde pas ce qu'on a à gauche. Évitez, ne regardez pas aussi comme ça, vous ferez la petite surprise juste après. Je regarderai, je regarde pas à gauche. Alors déjà, je suis lourd. Déjà, je suis trop lourd. Donc on va devoir jeter des trucs. Alors, le bouclier, on va l'équiper. Les lances en métal, ça c'est pas mal les lances en métal, ouais, ça me fait plaisir. On va acheter ça pour l'instant et on va acheter ça. Et je pense que... Alors attendez, ouah, je suis trop lourd encore. Ah ouais, chaud. C'est chaud là quand même. Attends, je peux... Vraiment. Bah déjà les lances en silex on va les lancer. Je vais juste les gars avant de récupérer le reste des trucs aller la récolter comme ça je me fais du XP. Regardez l'XP ça monte très vite à droite. Ok donc les gars on va acheter tout ce qui pèse trop lourd là pour l'instant. Ça. Et on va augmenter le poids. Et on va peut-être pouvoir apprendre. Il m'a déjà mortier et puis bon. Et les narcotiques pour l'instant. Voilà. Donc, on va aller chercher les deux caisses restantes. Bon, je pense que j'aurai peut-être pas assez de poids. Bon, déjà, les lances en bois, on va les jeter. Le bois, on jette. Les grains de stingberry, bon, on s'en fout un peu, mais bon, on va les jeter. L'arbalète, ça fait plaisir. L'arc, on peut en jeter un parce que bon, on en a pas vraiment besoin. Et ensuite. Alors là, par contre, on a eu plus de choses. On va jeter le bouclier, on va jeter ça. On va mettre une épée dans l'inventaire. Alors, je pense que je vais me faire une base pas très loin. On va aller. On va. Alors, attends. Waouh, ouais, je suis vraiment aussi lourd que ça. Oh, ouais, c'est... Par contre, là, c'est chaud, les gars. C'est chaud. On va jeter, bah déjà on a trois arbalètes donc ça c'est pas mal. On va jeter un arc, on va jeter deux arcs. Et on va commencer à se faire un petit début de base. Alors, je suis pas. Alors attendez. Non, je suis. C'est de l'autre côté, c'est totalement de l'autre côté de la map. Que bah d'habitude, j'ai l'habitude de faire ma base. Donc on va faire la base à l'endroit où je l'avais fait sur l'ancienne survie Ragnarok de mon pote. Donc les gars, là pour l'instant, je vais me rendre au truc, je vous fais une petite ellipse. Je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, re les amis, alors je suis. Bah, déjà, je suis arrivé sur le spot où je vais me mettre. Alors, je vais dépêcher mon spot là. Ouh, les dégâts. Oh, merde. Reviens là, connard. Oh. Bah, vas-y, pique-moi un truc. Mais, espèce de connard. Puis, par contre, j'ai peut-être un peu trop mis. Non, toi. T'en peux ramasser le pégo. Quoi? Mais. Oh, bah, toi, on va te garder en vrai. Bon, t'es pas hyper beau, mais bon. Alors, les gars, j'ai peut-être mis un peu trop le time en.
Je vais peut-être un peu trop augmenter le time. Bon, moi, ça me fait de la... Je vais plutôt faire de la peau, en vrai. Ah oui, tu m'as expliqué... Bon, de la merde. Bon, on prend quand même. Comme ça, on fait disparaître. Donc, les gars, je suis passé de niveau 6, bah, niveau 8, du coup, là. Bon, on va augmenter le poids, parce que c'est vraiment le... un plus chiant. Gros d'empoids, on n'a pas besoin. Ça, ça... Et peut-être... bah, pour l'instant, on va s'arrêter là. Bon, oh, putain. Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'un dégommage. Quoique, toi, t'es niveau 135. Peut-être que ce sera mieux. Ouais, bah, je vais te laisser. Bon, moi, je m'en fous. Attends, on va se lever. Boum, va pas bien. Donc, ça va nous faire de la peau encore une fois. Par contre, j'espère que tu m'avais pas. Je sais pas s'il m'avait piqué. Bon, tant pis. Donc, les gars, on arrive au spot. On va aller au spot. C'est juste là-haut, là. Donc, bon, ça va, c'est. Attends, c'est sûr que c'est. Non, c'est là-bas, là. C'est là-bas. C'est juste là-bas, là. Il est où mon père? Ah oui, ça, je l'ai pris sur moi. Bon, bah, ça nous fait un petit dino, hein, que ça fait. Ah, bah, déjà, il y a un para. Alors, on espère que le parazor, il est au level. Ça, on prend pour plus tard. Ça peut toujours servir. Niveau 25. Bon. Bon, déjà, on t'aimera pas ce para. Je vais le tuer, parce que ça va nous faire de la peau. Alors, ouais, je suis vraiment une merde, par contre. Ok. Bon, ça va nous faire des levels, au moins. Donc, ça nous fait pas mal de peau. Donc, bon, alors, qu'est-ce que j'ai comme niveau? J'ai combien de niveaux? J'ai 4, putain, 4 niveaux. Et ça rapporte pas mal les parents, voilà. Tout en full poids, tout. Donc, niveau 12. C'est-à-dire que j'étais niveau 8. On va prendre des biens déjà les bolasses, les flèches et l'arc, quand même, au cas où. Attends, je suis pied, le reste, on s'en fout pour l'instant. Carbonis, nanana. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Il y a le sac de couchage qu'on va faire tout de suite. Et puis voilà. Hein. Bon, je pense qu'on va commencer la base. Hein. On va la faire au bout là pour l'instant. Ah, il y a un autre gros dino là. Et tu es une Carbonemis level 55. Ouais, on va la garder peut-être parce que bon, je pense pas qu'on l'apprivoisera. Mais bon, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? On va faire déjà 4. Ah, pas faire qu'une. Il va nous manquer du bois des branchages. Bah, au moins, je pourrais faire. Au moins, déjà, ça nous. Alors, attends, on va la poser. D'ailleurs, j'aurai peut-être des amis qui rejoindront la. Très plus tard. Alors, par contre, changer pour aspect, parce que l'aspect comme ça est plus, beaucoup plus joli, je trouve. Donc, il va nous falloir. Fibres aussi. Niveau des fibres, c'est bon. Du bois, des branchages. Ok, bah, déjà, on va. Faire les branchages. On augmente les levels après, bien entendu. Et on va prendre du siècle pour faire le bois pour pouvoir faire. Ok, donc on va faire une petite hache. Par contre, on va peut-être aller voir bientôt. Au niveau 13, qu'est-ce qu'il y a au niveau 13? Il y a celle d'Ichthyosaur. Bon, on va. Ciment 2, on va prendre le ciment. Il va nous falloir le kit in keratine. Bah, c'est bien, il y a une petite carbo à côté. Mais celle d'Ichthyosaur, en vrai, ça peut être intéressant parce que juste à côté de chez nous, il y a. Ouais, non. Bon, il faudrait combien pour ça? Ouais, non. C'est de para, ça, on la prend, j'ai oublié de la prendre. Bon, et ben on va équiper la. Puis je pense que. Bah, déjà, je vais faire un feu de camp et. Et quoi d'autre? Je crois que c'est un dilou. Alors, attendez, on va faire un feu de camp avec un petit. Petite caisse de stockage. 3, 4, 5, 6, 7. 5, pardon. Je suis con. On a fait qu'une, donc ça fait 6 en tout, 6 fondations, on va faire du 2x3. Ensuite on va faire un mur de hauteur plus les 6 points inclinés. Ah, par contre au niveau des... Je pense que je vais faire... Ah bah regardez, j'ai un pote à moi qui est en ligne. On va peut-être la... Enfin, niveau 14. Celle de Pachy, merci. Celle de Paki par contre. Tac, 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 tac. Donc toi, on va te mettre en changer pour aspect,
changer pour aspect. Changer pour aspect. Bah, les contrôles sur PS4, c'est pas le plus simple. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va devoir faire. Attendez, du coup, il y aura une porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 murs en chaume. 1, 2, 3, 4, 5. On peut faire 5. Donc, et on aura 4 murs en chaume. On va augmenter les compétences qu'on a pour l'instant. 4 murs en chaume qui va manquer du coup. On va prendre ça. Ah bah j'ai mon pote qui m'invite, qui m'invoque. Donc attendez, je vais l'inviter en vocal. Les bottes, les gants. Pour l'instant, ça devra le faire, les gars. Donc, les murs. On va poser les murs pour l'instant. Bonjour, Jules. Allô. Alors, attends, peut-être que j'ai un. Allô. Oui, ouais, je suis en train de faire un rec pour YouTube. Eh, ça te dit de faire le boss. Hein il est stylé. De quoi que sur The Island. Bah pour l'instant je suis en train de faire mon gameplay Ragnarok et après je viens si tu veux, d'accord? Parce qu'en fait si tu veux j'ai transféré de Genesis 2 à ouh ça bug. Et du coup j'ai fait plein de bébés. Genre j'ai passé beaucoup de temps pour ça. Alors, mec lui a l'air très bonne taille. Mec. Mec, par contre, je sais pas si t'as vu. T'as terminé Genesis 2 ou pas? Hein? T'as terminé, t'as combattu le boss ou pas sur Genesis 2? Non, j'ai pas combattu le boss. Est-ce que t'as vu la vidéo de Mitsuno où il fait ça? Où il combat le boss? Ah, mais je connais, oui, j'ai déjà vu à quoi il ressemble. Hein? Non, mais je te demande, est-ce que t'as vu la vidéo? Oui. Mec, par contre, c'est trop triste qu'il y ait plus Elena du coup après. Bah c'est normal, mais de toute façon il n'y a plus Arc après, c'est Arc 2 après. Ah mais c'est dommage. Ouais mais il y aura plus Elena. Arc c'est fini. Mais je sais. Ce qui est dommage c'est que je trouve qu'il doit faire encore des DLC genre. Il y en a ouais, beaucoup tu vois, mais il pourrait faire genre des DLC une... mais il y a un DLC gratuit qui va bientôt sortir je crois. Ça s'appelle c'est le truc dans la jungle là et stylé en vrai. Ah oui, oui j'avais vu oui celui-là ouais, qui est sorti. Ouais. Et je trouve qu'il devrait faire encore des DLC payants, mais qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Ouais, il devrait faire des trucs un peu à l'écart, genre pour le fun. Ouais, juste comme ça pour le gameplay. Et parce genre, que des DLC comme ça payants, c'est bien parce que du coup, il y en a qui adorent Arc comme moi par exemple. Moi j'achète tous les DLC, je les ai tous achetés. Tu comptes l'acheter d'ailleurs Arc 2? Non, mais il n'existe pas sur PS4. Si, il va exister sur PS4. Non, il sera sur Xbox Xbox One Series non. Et PC. Bah je m'en fous mec, j'ai un PC, j'achèterai dessus mec, je m'en fous. Enfin je sais même pas s'il sera dessus, bah si forcément. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il sera pas sur PS4. Peut-être plus tard. Sur internet, tout ça, c'est peut-être dit. Plus tard. Non. Eh non, mec non, je te non, rappelle, non. Je te rappelle que le jeu il sort dans 2 ans hein, donc on a le temps. Hein. C'est pareil, regarde Forza Horizon 4, c'est une exclusivité PS4, Xbox. Ah oui, parce que PS4. Bah là, ça va être Arc 2, ça va être une exclusivité Xbox et PC. Mais c'est vraiment con, mec, ils vont perdre beaucoup de. C'est chiant ça. Mec, t'es chaud, on va sur The Island et on se fait des boss, le boss, non? Bah... on a un réplicateur aussi, je t'ai alors, pas dit. Attends, est-ce qu'elle fait beaucoup? Est-ce qu'elle tape beaucoup? Oh, elle tape du 20! Oh ah merde! Je m'attendais pas à ça, moi. Attendez, on va buter la carbo. En fait, j'ai tapé une carbo, sauf que j'avais oublié que j'avais mis les dégâts en. Tu sais, toi, tu mets des dégâts, genre les carbos, elles font un dégât, genre. Moi, j'ai mis. En fait, les carbos, elles tapent à 20. Du coup, bah, j'étais au corps à corps avec une épée, mais bon. Ouais, donc en gros, en vrai, c'est au one shot, quoi, en gros. Oui, bah, alors, bah, c'est un peu logique en même temps. C'est plus réaliste. Ah, mais je suis blessé carrément là. Ah, mais non, va-t'en, je vais mourir. Non, mais moi les Rex ils font mal, hein, ils font du 40 dégâts. Mais quand t'as une armure en métal, quand t'as bloquez une foulard madame. En métal aussi. Ah parce que sinon, je vais mourir, mec, je vais mourir par une carbonémiste, tu te rends compte? Ouais, t'as peut-être un peu trop abusé sur les dégâts. Hein. Moi, je me rappelle une fois par contre, j'avais abusé sur les dégâts. Je suis mort.
Eh, non, mais tu sais que je me rappelle, moi, sur une, des anciens, mes anciennes, sur une ancienne survie. Putain, je suis trop dégueu. J'avais mis les dégâts des dinos beaucoup trop élevés. Et genre, une carbo me one-shotait. Mec, putain, je suis trop dégueu. Genre, attends, mec, je viens de me faire one-shot par. Je viens de me faire niquer par une carbo, level 55. Bon, bah les gars, j'ai peut-être un peu abusé sur les dégâts des dinos. Enfin, voilà quoi. En même temps, mec, je l'ai fait à la. Tu veux aller sur. Bah, mec, je suis en rack. Ouais, oui, non, mais dès donc que je vais tu avancer es, un tu peu. Dis, on y va. Moi, je suis prêt pour aller chez. Moi, je suis là, je lance le. Là, j'ai les artefacts pour faire le boss. Hein. Là, moi, j'attends. C'est le boss. C'est le boss de fin de Ark. Enfin, c'est le boss de fin de. Il y en a trois. Il y a la. Il y a l'araignée. Oui, il y a Brunhofer. On a déjà fait l'araignée, donc on a eu le réplicateur et tout ce qui est fondation, tout ça, full tech. Et là, si on fait le Yeti en gamma, on aura les bots, je crois, et peut-être les fusils. Et le Yeti, je me rappelle plus que, comment il est le Yeti par contre. Tu sais, c'est le Megapithecus, il est blanc. Et il a une tête. Tu sais, il a un œil crevé et il est vénère de ouf. Non, je vois pas en fait. T'as pas vu? Non, bah en fait, non, en fait, je sais que j'ai jamais fait de boss sur Arkham, vraiment. Genre, littéralement, par le contre, boss. Il fait super mal. Même avec les dégâts que j'ai. Ah, mais toi, t'as pas vu? La Brunmother. Je pensais, tu vois, la Brunmother, normalement, tu l'as fait en une heure, tu vois. Oui, là. Quoi? Une heure? Non, pas une heure, mec. Hein. Non, 30 minutes. Même pas, mec. Attends, mec, tu sais que j'ai vu. Un boss, c'est long. Hein. Un boss, c'est long. Non, mec, attends, tu sais, attends, juste. Non, mais parce que là, on l'a fait en 2 minutes. Hein. Là, on l'a vraiment fait en 2 minutes. Mais bah, justement, mec, tu sais que. Alors, j'ai vu un mec. Il avait ramené tous ses sarcosuchus à la Brunmother. Avec les stats officielles. Hein. Il a en 1 minute, il a niqué la Brood. Hein. Mec, la Brood, elle est facile, hein, en vrai. Quand t'as les bons dinos, la Brunmother. Non. Ah, non mais nous, la Brunmother, tu peux pas la faire. Normalement tu peux pas la faire en dessous de 5 minutes. 5 minutes c'est impossible. Mmh. Et bah nous on l'a fait en 2 minutes. En fait, si tu veux les Shadow Main, ils ont un bonus de coup. Bah, ils ont un boost de coup. Oui. Du coup on avait mâle et femelle tout ça. Et du coup bah on a eu. Et on avait ça, plus un Utyranus qui donne des Shadow Main. Oui bah justement il l'avait fait au Utyranus le mec que j'ai vu. Mais Utyranus c'est obligatoire. Utyranus t'es obligé. T'as pas du Tyrannus, c'est bon. Il l'avait fait avec tous ses. Toi, tu vas crever là. Je crois que. Bon, après, nous, on a utilisé des Shadow Mane, donc c'est pas legit. Enfin, si, parce que je les ai tamés moi-même, tu vois. Moi, je peux, par contre. Mais, tu vois, je les ai tamés legit sur Genesis 2. Tu vois, et. Mais, normalement, t'es pas censé les avoir. Je sais. Ouais, c'est pas grave. Bon, les gars, là je pense que je vais me faire la carbonémis, je vais la buter. Je verrai pour aménager un peu l'intérieur de la maison, puis je pense que ce sera tout pour le premier gameplay. De toute façon, ce sera une série assez longue, les gars. Donc, dans tous les cas, bah, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Tu vas jusqu'au boss, hein. Bah, je pense, hein, en vrai. Non, merde, j'ai bouffé une cimerie comme un con. Bon, bah, on va la faire à l'arbalète un peu de loin, comme ça, bah. Allez, mets ta mère la carbo. Ouais, mes potes sur Rocket League, ils sont bien chiés. Elle a eu le temps de régène, je pense. Moi, je dis ça, mais j'ai 8 points. Après, je suis arrivé, il restait quoi, il restait 2 minutes. Ah, bon, il y a un gagnant de tournoi de 3, mais il tue. Mec, tu voudrais pas rejouer à Overwatch avec moi? En vrai, Over, non merci. Je pense que bah, si jamais il y a des gens sur ma. Bon, il n'y a pas grand monde qui regarde mes vidéos, mais bon, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par un petit gameplay Overwatch, n'hésitez pas à le dire. Bah, moi, de toute façon. Ah, d'ailleurs, faut que je mette ta chaîne avec toutes les notifications, j'ai oublié de le faire. Je suis abonné, mais j'ai pas vu toutes les notifications. Attends, j'ai réussi à penser la carbo. Ça, je crois. Je regarderai ton esprit. Ah. Ouais, les gars, j'ai. Mais d'ailleurs, j'ai t'aimes bien Red Dead ou pas? Voilà. Je l'ai, mais franchement, Red Dead, c'est pas. Voilà quoi. Bon, alors, ça va nous faire pas mal de peau. Non.
Mais je te dis, Red Dead, j'aime pas trop en fait. Quand il était sorti, j'étais. Mais si. Quand il était sorti, en vrai, j'aimais bien. J'aimais bien, mais en vrai, c'est pas si incroyable que ça, mec. Hein. C'est... Alors, je sens que là, je vais me faire bolos par Jules. Ah, ok. Je lui ferai mieux de courir. Non, peut-être. Je sais pas. Oh mec, j'ai pas les mots là. Oh mais j'ai pas les mots. Oh, il aime pas Red Dead, les gars. Oh les gars, il aime pas Red Dead. Waouh. Oh, appelez la police. Non. Red Dead, c'est pas ouf. Ça t'a pas vraiment. Frère. Non, mec. Red Dead, je comprends qu'il y en a qui aiment pas, genre le fait d'être dans les cowboys. Ah mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que c'est. Il y a pas grand chose à faire quand tu t'ennuies un peu. Moi, je m'ennuie un peu sur Red Dead. Bah gros mec, Red Dead, tu sais que c'est une des aventures les plus longues qui soit. Hein. Frère, oui, bah... Red Dead, pour arriver à la fin du jeu, à faire toutes les missions, il faut à peu près une centaine d'heures de jeu. Donc vraiment je préfère... à faire toute l'histoire. Je préfère mec, je préfère me faire une survie arc plutôt qu'à Red Dead. Hein. De métal. Je vais faire l'atelier. Ensuite, je ferai la forge. Bon, j'ai pas mal de métal, les gars, ça devrait suffire pour faire l'atelier. Alors, attendez, j'ai assez de métal, là. Il va me manquer... Ah, mais c'est du lingot de métal. Oh, il y a la musique Alone de Marshmello, putain. Ah, je suis musique Alone. I'm so river. Na, 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 na. C'est ça, Alone, je crois. Ouais, ça. On va faire une grande armoire de stockage, tiens. Attends, on va voir. Je vais voir juste le pool comment il va baisser. Mec, d'ailleurs, faudrait que on continue un peu le let's play extinction tous les deux parce que ouais. Parce que là en fait j'ai fait une seule vidéo et on a déjà fait des boss. Pas normal. Ok, 21. Ouais, c'est vrai que c'était un peu, ça a été assez rapide. On fasse des lives ensemble parce que. Un petit peu des lives en même temps, ouais. Comme ça tes viewers ouais, ils viennent et puis. Il faudrait qu'on fasse des lives sur Ark Extinction parce que sinon. Sinon, le let's play, mec, il pourrait rien comprendre, mais on aura déjà fini le jeu. Première. Bon, les gars, on vient juste de commencer. On a tué déjà les deux premiers boss. Nice. Ouais, non, je pense qu'on va aller faire des timings et tout. Parce que là, en fait, on a tout fait hors cam. Bon, moi, les gars, personnellement, je vais poser la grande armoire de stockage. Ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai désactivé la collision avec les constructions. Ça, c'est pas mal. Est-ce que c'est des pas derrière? Parce que c'est ça. Ouais, ça dépasse, mais vraiment. Regardez, les gars, ça dépasse juste là. Sinon, putain, ça se voit pas. Il détruit. De toute façon, c'est qu'une base temporaire. Ah, c'est pas les gens, les bumpers là. Bon, on va mettre ça là pour l'instant. On va mettre ça. Par contre, j'ai 3 arbalètes, c'est pas mal. Je les ai trouvées dans les caisses, tu sais, au beacon bleu. Enfin, à la tour bleue de Ragnarok. Ouais, ouais. Tu sais, t'as des caisses. Il y en a à toutes les tours. Hein. Ouais, bah j'ai spawné là, mec, c'est trop. Mec, j'ai eu 3 arbalètes, 2 arcs, 2 lances en métal, une épée. Putain, mais gros, mais mes potes ils te choquent, mais si je te. Va falloir attendre. Attends. Il faut que je level up encore une fois. Attends, mais à quel moment il y a des pénalités maintenant sur des games normales? Ah, j'avoue que ça. Quoi, il y a des pénalités sur les games? Non. C'est une blague. Attends. Ah non, c'est. Putain, oh, il m'a fait peur ce con. Ah, il m'a fait peur. Mec, j'ai un Pego Mastax. Mais que j'ai apprivoisé un Pego Mastax sans faire exprès tout à l'heure. Ah mais les Pego Mastax ça mange des baies, d'accord. Je pensais que ça bouffait de la viande les Pego Mastax. Bon appétit. Dès que je reviens, est-ce qu'on peut faire le boss s'il te plaît? Bah déjà bon appétit. Et je sais pas si on fera le boss hein, parce que mec. Non mais mec, non mais le boss on le fait en 2-2 frère, les shadows et mec, lui Tyrannus, il one shot n'importe quoi. Enfin, mais one shot pas du tout, mais il met un boost de bâtard et ensuite t'as les Shadow Main que tu prendras un mal et tu boosteras, tu feras ton boost là avec les Shadow Main. Les Shadow Main ils vont exploser le Yeti. En fait, ce qui me fait juste peur, c'est que les Shadow Main ils tombent, tu sais, dans le vide. Là, il y a un pont. En gros, ce pont, il faut surtout pas que les Shadow Main. Oh, belle frappe! En gros, les dinos, il faut que tu les fasses en suivi. En gros, si tu les. S'ils sont trop groupés, en gros, ils vont. Ils vont se bump les uns contre les autres et ouais, non, ouais je vois. En fait, ils vont tomber dans un vide et bon. Pourquoi ça s'est passé? Parce que si jamais c'est le cas, bah on va la merde. Ok, alors attendez, je vais m'augmenter le poids. Faudra que j'aille boire de l'eau d'ailleurs bientôt. Bon, j'ai pas eu besoin de boire quand il y a eu la carbo, donc ça va. Donc, on va directement apprendre la forge. Alors, les flèches tranquillisantes, on peut les faire maintenant. Et le parachute, alors, en vrai. Parce que j'ai la flemme de. Enfin, bref.
Bon, maintenant on va crafter la forge. Alors maintenant que je peux, je vais crafter de l'atelier. La forge, il va me manquer, je pense, de la pierre. Ouais, de la pierre et du bois. Ah, du bois, on va le prendre vite fait là. Et de la pierre, bah ça va me permettre de péter ces trucs dégueulasses là qui sont juste devant la base. Voilà. 125 de pierre. Bon, on va du full poids peut-être. Moi, je pense que un rocher, ça devrait suffire largement. Je pense que là, j'ai même de quoi faire. Alors, moi, j'ai de quoi faire. On va aller faire cuire ce beau métal scintillant. On va récolter un peu de bois, par contre. On va équiper ça là. On va récolter un peu de bois pour la forge. Attends, refais comment t'as parlé là. Mec, moi ouais, comment t'as parlé là. Putain, mais il est trop chaud. Mec, on dirait un adolescent. Oh putain, je suis peur. Mec, on dirait un adolescent qui est en train de muer. Ouais, en même temps, ouais, c'est à moitié. Bon, je suis pas toi. Je suis pas sûr que tu sois en train de muer, mais bon. Je sais pas si t'es en pleine. Non, si tu serais en train de muer, on aurait dit, mais on met ça. Non, mais je suis désolé, mais. Non, mais mec. Eh, je te jure, si tu m'appelles sur ma messagerie que je réponds pas, je te jure, j'avais ma voix de 6ème. Mec, par contre, je te jure, je te pro. Ah, d'accord, ok, bon. Non, il va me manquer quelque chose. Du bois, mais. Tiens, voilà. Alors, mec, par contre, j'avais un pote à moi qui muait quand on était en 5ème. Je me rappelle, mec. Quand il parlait, mec, on aurait dit qu'il avait. Tu vois la maladie de l'autotune inventée par Mister V là. Mec, je te jure, on aurait vraiment dit ça. Hein. Au début, c'était drôle, et finalement, en vrai, c'est chiant, quoi. Je te promets, mec. C'est incroyable. Il a raté la balle, mais il chope. Ouais, la frappe de pavane. De pavard, pardon. Oh putain. Oh, je vais me faire insulter. Par contre, j'ai pas mal de stylets que je vais pouvoir me faire. Bah, je pense que j'aurai les flèches narcotiques avant la forge. Avant la. Pardon, non, pas la forge. Avant l'atelier. Non, ceux-là, ça se casse pas. C'est pas ceux-là, c'est. Bon, on va aller un peu plus en bord, comme ça, ça va me permettre. Parce que je sais que les cailloux au bord de l'eau, ils rapportent un peu plus de métal, si je me souviens bien. Oui, un dodo là. Je t'entends, petit dodo. Un métal. Jules, pour être sûr, il faut bien deux métal pour un lingot. Ah. Merci. Mais je crois qu'il est parti graille, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il est parti graille. Bon, bah nous, les gars, on va récolter un peu de métal pendant qu'il est pas là. On va se faire l'atelier. Attends, t'es niveau combien, toi? Eh, Pépé, reviens. Y a voir tes niveaux. T'es niveau 15. Tu pues la merde. T'es nul à chier, je te déteste. Nul, Germain, nul. Ok, les gars, on va regarder. Alors, j'ai pas mal de niveaux. J'ai deux niveaux. En vrai, je suis plutôt haut niveau déjà. Hein. Par contre, peut-être un peu rapide. Donc, bah, je vais faire la marmite déjà. Puisque ce sera peut-être un peu cool pour les. Non, c'est les fondations en bois, on verra plus tard. Bouclier, on s'en fout. Justiosaur, ça, j'y suis déjà venu, ça, pour l'instant. Donc, la salle des cuisses, on s'en branle un peu pour l'instant. Puis, même, je pense, le long de l'aventure, on s'en fout. La balette, on apprend. La loupe, on va apprendre, par contre. Là, sur métal, on s'en fout, on en a deux. Puis, en plus, elles ont pas mal de dura. Bon, j'avais 6 de métal, j'en ai 6. Ça devrait le faire. Ça devrait largement faire pour les 5 lingots. Puis bon, dès qu'on aura la pioche en fer, ça ira beaucoup plus vite. Bah du coup, j'aurai même 6 lingots, donc de quoi me faire une pioche en fer juste après. Par contre, je suis désolée, mais je suis trop swag avec mon pégon mastax là comme ça. Par contre, c'est pas logique ça. Quand tu cours comme ça, wouhou. Bon. Ok, c'est ma première personne. On va aller voir. Je pense que ça a tout fondu ce qu'il pouvait. Ah, j'ai 3. Ah, du coup, j'ai 3 lingots. C'est vrai que j'en avais mis 6. Bah, on va ramasser ça. On va ramasser les lingots. On va tout pouvoir sur la forge. Je vais mettre mon silex et ma pierre là dedans. Bon, j'ai pas beaucoup de pierre. Par contre, j'ai pas mal de silex. Ça va être bien. On va se faire une centaine de flèches. Bah, 100 flèches. Quand même. Bon. Et qu'est-ce qui va manquer d'autre pour la forge par contre? La forge. Manquer du bois et de la pierre. Bah, la pierre, je vais récupérer du coup. Manquer la pierre, c'est bon. Ça devrait être bon aussi au niveau. Ah, je sais pas. Au niveau du sexe, ça devrait le faire.
au niveau des fibres, au niveau des fibres aussi. Bah, il va manquer que, bah, il va manquer de la pierre encore. Bah, je vais récupérer un peu de pierre et un peu de bois. Même pas 20 de bois. Un peu de pierre. Ah, c'est vrai que j'ai tout cassé le pierre là. Ok, donc le bois, encore un peu. Voilà, c'est parfait, merci. Et la pierre, bah. Et voilà, là on est. Normalement, là on est bon. Il n'y a plus que le temps que le métal fonde. Il y aura de quoi sur une pioche en fer, ouais. J'allais dire en pierre. Enfin, je vais dire en fer, puis en pierre, puis en fer. Enfin bref, c'est incompréhensible ce que je dis. Donc, on en est où là? Niveau du fer, métal plutôt. Bon, on a fini. Donc, on va couper la forge. Et là. Tatatam. Tatatam, tam, 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 tam. Oui, il faut pas la salle de raptor. Bon, on va, on s'en fout pour l'instant. Il faudra peut-être aller kill du dino pour faire de la peau. Parce qu'on a plus énormément de peau là. On va te mettre. Ben, on va te mettre là, toi. On a plus la collision. Donc, c'est pas mal. On peut te mettre très proche du. Oh, c'est parfait. Enfin, parfait. C'est pas incroyable, mais c'est presque ça. Donc on va mettre ça, avec le petit lingot, on va mettre la fibre, le touch, et ça devrait être assez pour se faire. Bah non. Ah, il va manquer de la peau. Voilà, c'est parfait. Et voilà, et là on va les fermer du métal comme un porc, comme des... Ouais, comme des porcs. Hop là, et on va te remplacer ma grande. Bon, tu vas rester dans l'inventaire un long moment, tu vas traîner le cas comme ça, comme une merde. Et nous, on va aller. Bah, déjà, je vais aller boire parce que j'avais oublié de boire. Il faut que je fasse de la bouffe aussi. Niveau 26. Bocal d'eau. On va pour l'instant, on s'en branle un peu. L'eau, c'est pas notre. C'est le cas de nos soucis, franchement. Qu'est-ce qui pourrait être cool à faire? Et après, là, on monte dans les petits trucs. Je pense que. Bah, déjà, je vais aller boire un coup. La bouffe. Je vais faire un feu de camp pour faire de la bouffe. Quand il va me manquer du bois des branchages. Alors maintenant que c'est bon. Ok. Ah même pas. Ah mais vous foutez de ma gueule. Bah tu veux des branchages, bah tiens. Voilà dans ta gueule. Là t'en auras assez. On va en faire qu'un pour l'instant. Hop là. Et on met ça juste devant. Hop là. Merde non je voulais pas. 8 sur 100. Bon, ça devrait le faire. On va mettre la bouffe, le bois, encore la bouffe. Et encore la bouffe, merci. Voilà, j'avais dit, voilà. Parfait. On va rechercher du bois un peu pour mettre dedans. Et on va fermer du métal en bas, au bord de l'eau, comme ça on va pouvoir. Par voir la bouffe, pour l'instant, c'est pas plus important. Donc bon, on va laisser cuire la bouffe tranquillement. Nous, on va descendre. Ouais bah oh, putain et ça fait mal, ça fait un petit peu mal, ça fait même très mal. On va acheter une Tobiris, ça sert pas grand chose. La montagne légèrement acidulée, bon on s'en fout après. Est-ce que la vie remonte assez vite là par contre? Ouais ça remonte. Ouais ça va, en vrai ça va. Je suis déjà plus c'est un requin là-bas parce que. Bah si mais moi je veux juste aller boire un coup. Est-ce qu'il y aurait pas un. Et c'est un mégalodon, oui. On va se casser parce qu'il y a même pas cœur sur le mégalodon d'ailleurs. Non, viens. Je vais suivre tous. Viens vite, tu vas te faire bouffer par les mégalodons. Idiot. Imbécile. Ok d'accord. Bon pas bouger tous. Ok. Ça fait peur c'est bon. Donc bon maintenant qu'on a bien coup on va pouvoir aller. Bah déjà j'ai plus beaucoup de vie non plus là. Hein. Oh allez du métal. Quoi j'ai encore moins de métal qu'avant. Ah non ça va, ça remonte un peu. 4 de métal. Eh bien. 4 de métal. Oh. Ah déjà là ça c'est un peu plus gros. On va prendre pas mal de silex aussi pour faire de la poudre d'étincelle pour plus tard. Je vais faire une armoire de conservation, je pense. Comme ça, je pourrais conserver la bouffe un peu plus longtemps.
Voilà, donc maintenant on va augmenter le poids. Niro 27, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Something. De la merde. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a pour elle? Bah, peut-être des protocoptodons, on ira en time plus tard, des protocoptodons plus loin dans un avenir. J'ai plus des fonds secs, c'est quoi cette merde déjà? Ah, il faut du citron, des mecs. Et des narcos, ça vaut trop de narcos. Bon, on va ramener tout ça à la base. Combien de métal là? On va acheter des 100. Oh bah j'ai 11 de métal. Bon, ça devrait être assez pour faire une hache peut-être. Donc on va essayer de récupérer des narcos. Non mais. Ah, j'entends. Ah oui, tu es là mon grand. T'es prêt à mourir mon grand? Niveau 145, ça va nous faire peut-être un petit peu de level. Bon, c'est pas incroyable, c'est un bono, mais. Allez, ouais, par contre, il y a l'épée, on peut pas taper. Oh, ça nous fait un peu de peau. On va récupérer des narcos. Je pense que bah, on va aller faire des petites narcos. Eh bien, les amis, sur ce, on va se laisser. Donc là, je viens juste d'aller chercher un. Bah, je vais chercher des petites narcos. Je pense. Bon, les gars, je vais juste faire un petit. Peut-être le petit mortier pilon. Si j'ai ce qu'il faut, bah c'est parfait. On va augmenter un petit level. Il n'y a pas grand chose d'intéressant vers les niveaux 25 et tout. À partir de là, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et là encore, il n'y a pas grand chose non plus. La gomme métal 300 déjà, putain. Bon, je vais peut-être lancer la production de narco. Puis je pense qu'on va se laisser là, hein, les gars. On va juste la mettre celle-là, lancer la production de narco. J'ai combien de ça de viande? Je pense que bah, je vais mettre les narcos, toutes les narcos là. Oh, j'ai de quoi faire 12, je crois. Ouais, 12. On va mettre les bouffes un par un pour pouvoir se faire la masse de. Alors, attends, ça périme dans. Voilà, là ça fait pas mal de. Ok, donc on va faire ça pour pas mal de bouffe. Comme ça, pour la prochaine fois, on aura peut-être un peu. Enfin, bref. Bon. Eh bien les gars, sur ce, je vous laisse. C'est la fin du premier épisode. Je vais peut-être farmer un peu hors cam là. Avec le petit Pegumastax t'a mis à la win again sur le dos. Et moi je vous dis, on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao les gars.